François. Plaisir. Alors moi, oui, depuis tout à l'heure, je suis très curieux. Je vois un homme souffler dans une baignoire. Mais est-ce un DJ, François? Un DJ, oui, mais ridou. C'est-à-dire qu'il rigole, mais gentiment, pas trop fort, tu vois, ridou. Voilà, merde, encore une blague ratée. Bon, et donc du coup, je pense que je vais aller faire un petit tour et peut-être lui demander ce que c'est. Je sais jamais. Et ben, va le voir. Et ben, ouais. Allez, vas-y, François. Attends, parce que j'ai deux micros à la main. Alors, j'en pose un. Et je pose le deuxième également. Drop the mic. Hop, c'est parti. On va aller voir le monsieur du DJ Ridou baignoire. Ou alors de la baignoire Ridou. On ne sait pas trop comment ça s'appelle. Donc, on va lui poser quand même quelques questions pour savoir ce que c'est. Bonjour. Bonjour, monsieur. On va faire le tour. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est que, du coup, c'est cet instrument, si je puis dire? Alors, là, il y a deux choses. Il y a l'instrument de musique qui est là, c'est le didgeridoo. D'accord. Voilà. Et ça, c'est des baignoires qui forment une coquille dans laquelle on met des gens. Et on fait des bains vibratoires, d'accord, tout simplement. Et on est enveloppé dans un... dans des vibrations, tout simplement, tout son corps. Et en fait, moi, comme je suis joueur de didgeridoo, quand je fais le truc, j'ai l'impression d'être dans l'instrument. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, voilà, c'est tout simplement ça. C'est juste un petit voyage, Un peu temporel. Ouais, voilà, oui, un peu ça. Ouais, c'est, on peut dire. Est-ce que je peux essayer, du coup, pour voir un peu à quoi ça ressemble? Pas de problème. Super. Je vous laisse le micro, peut-être. Je le garde. Tu te mets allongé dedans, tête par là. Tête par là. Ouais. Je ne choisis pas les positions les plus simples pour entrer. Yeah, merci, à tout de suite. C'est ça que c'est particulier. On va s'installer un petit peu plus confortablement. Là, on est pas mal. On est sur quelque chose de très étrange. Je vois un gros tube pénétrer à l'intérieur de la cavité. Oh. Mais c'est trop bien. On n'est pas loin du bruit marron, de la fréquence sombre. Mais du coup, si je lasse une caisse, bon déjà je me tue moi-même, mais est-ce qu'en plus il aspirera mon prout un peu? Ça va être un peu dégueu pour lui. On va pas le faire. Cela fait 3 jours que je suis dans cette cabine. Le bruit commence à s'habituer. Il fait partie de mon environnement. Il me crache dessus. Je vois le jour. Oh. Bah c'est vachement bien. En vrai, c'est agréable. Les notes graves, c'est trop bien. Ça fait des vibrations partout, il te fait « Oh !» Là, vous avez plus de souffle. En fait, si, c'est des techniques de respiration qui permettent de ne pas se fatiguer, en fait. Voilà. Tout à l'heure, je vais jouer pendant 1 heure un concert. Et en fait, c'est tout un travail du diaphragme, en fait. Bon, le didgeridoo, après, il faudrait y consacrer plus de temps pour l'explication. Mais non, je me fatigue pas plus que ça, en fait. D'accord. Eh ben, c'était super bien, en tout cas. Merci beaucoup, voilà. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour, parce que c'était quand même une expérience qu'on fait pas tous les jours, et c'est quand même vachement bien. Merci François. Il va revenir. Et reviens François, le revient de ta baignoire. Oui, je jouais avec des animaux après. Ça va, tu as fait des fréquences dans ton corps, tu as... Eh ben c'est quelque chose, c'est étonnant. Ça a l'air d'être un monsieur très intéressant en tout cas. Il est très sympa, et c'est à faire. Et comme c'est gratuit, bah allez-y. Ah, on peut essayer, toi, t'as essayé? On va peut-être. Bien sûr, j'ai essayé. T'es allé dans la baignoire? Tu ne regardes pas ce que je fais, tu me regardes non, plus, Alice. D'ailleurs, j'étais sur Yann, je vous avoue. Elle était partie au bar. J'étais. je regardais Yann jouer, parce que...